des fois ça fait mal, mais les commentaires sous les tweets de Biebour, oh, c'est du caviar, hein. Vraiment, des fois c'est du caviar, hein. Y a vraiment. C'est un menu maxi best-of le truc, hein. Menu maxi best-of supplément deuxième sandwich, hein. C'est vraiment quelque chose, hein. Souvent, je me demande si les gens font exprès ou pas, en fait. Oh, nice! Alors, ça, on pouvait pas rêver mieux en début de game. Un pré-drop instant de la palette Shaq. Ça, en 10 secondes de début de game, c'est un des meilleurs trucs qui peut vous arriver. Parce que du coup, là, la palette, elle est plus là, en fait. Donc, c'était ultra ouf. Ouais. Une game, mon deuxième hit, il restait 3 gemmes, ça t-bug, mais ça se fait trigger, mais ça meurt. Bah souvent c'est ça en fait. Les gens qui te flick flash, qui te t-bug et tout, tu remarqueras très souvent, ils vont tout le temps essayer d'aller à des spots vraiment ultra broken sur. Parce que sinon, bah ils vont pas s'en sortir. Hein. Ça c'est... Vas-y qu'on connaît. Ça va toujours être ça. Une fois que tu les mets sur des spots un peu plus techniques, ils vont pas s'en sortir. Et tu remarqueras vraiment que souvent c'est vraiment pas les pires quoi. Moi quand je vois quelqu'un qui te flick flush et te t-bug dans tous les sens, même s'il te fait des bonnes chases, parce que bon bah forcément le gars il va à des spots bien. Moi quand je vois ça, je me dis pas oh vas-y putain c'est chiant. Je me dis vraiment bon bah c'est juste un. Putain fuck, j'ai eu peur, c'est pas elle que je veux moi. Voilà, et là on a la deuxième God Palette qui est plus là, et il y a du monde là aussi. Là on a eu un petit spot là. Par contre je sais pas qui est qui, mais bon. Là. Lui, il a un dédard, lui. Ouais. Chaque fois que quelqu'un regarde derrière lui en pleine chaise, très souvent, tu peux être sûr que c'est parce qu'il a un dédard. Allez, Mickaël, apprends-toi. Voilà, ouais. J'en étais sûr. Bon, au moins, elle est intelligente, elle a pas couru. Mais... Flashlight. Et elle était juste à côté de moi, donc forcément, bah, elle allait tenter le save. Les flashlights, je vous le dis, hein, c'est vraiment, pour mon sens, hein, et de ce que je vois, et en tant que main tueur, je peux vous le garantir, probablement le pire item. Bon, ok, il y a la clé avant. Le pire item survivant que tu puisses prendre. Tu peux faire des belles choses avec, certes, mais il suffit que tu tombes sur un tueur qui connaisse les flashs, tu vas être baisé. Et là, t'auras plus que tes yeux pour pleurer. Un beau pegdash, ça? Merci, ouais, il était sympa. Ce que j'aime bien, c'est surtout que sur cette map, tu peux passer au-dessus du trou de l'école. Genre là, t'as un trou, là, tu peux passer au-dessus en dashant. Surtout ça qui est bien. Je vais m'attirer vers Loulou, mais je venais pas. Ouais, tu peux bien. Hein. Très souvent, faut pas tenter de les chase quand tu vois qu'ils vont vraiment aller tout le temps à des spots ultra chiants, genre bus et tout. Parce que tu vas plus perdre du temps qu'autre chose. Deuxième. Si le gène pop, je rigole. Hein. Let's go! Oh, Francis, you're so dumb. Thank you very much for this gem. You just activated three traps. Voilà, smart guy. Par contre, les dashs, ils bouffent.
Ah, les dash qui bougent. Trois traps d'actifs, donc il n'y a plus qui peut faire des gènes. Comme il est tout seul. Pour le moment, il y a certainement des traps qui vont sauter, mais voilà. Vraiment, faites pas de gêne, hein, surtout dans ces circonstances-là. Hein. Il y a deux vidéos sur la chaîne comme ça. Il y en a une sur Midwitch où, même scénario, il n'y avait qu'un David qui avait pas de trap. Il a fait le gène. Tous ses potes sont morts et la game a été pliée grâce à lui. Il y a plein de scénarios comme ça. Hein. Hop, là on va avoir une déco. Ouais, bah toi je savais que t'étais à côté, t'as une flashlight. Voilà, ça abandonne. Bah oui. Et là, je peux comprendre pourquoi. Pourquoi ils réagissent comme ça? Ils savent à peu près qu'ils sont tous morts. Parce que le Adam, il a fait un gène. Donc là, ils sont plus que dans la merde. Parce que j'ai un full contrôle sur eux. Merci d'aller sur le hook. Là, tu peux t'attendre à ce que le Adam il se fasse bâcher, hein, par contre. Parce que si ça me bâche moi, c'est vraiment très con. C'est pas ma faute si le trap a été fait. L'autre essaie de suicider alors que j'ai laissé le Adam la save. Hein. Wait, c'était quoi l'offrande? Killer check. Bon bah s'il se suicide, je sais que la trappe est là. Il le sait aussi. Tu n'auras pas la trappe, mon gars. Je vais attendre parce que s'il a un DS... Enfin, je vais d'abord fermer la trappe. Parce que s'il a un DS, voilà. Voilà. Pourquoi cet add-on, je l'aime pas. Enfin, cette offrande, pourquoi je l'aime pas. Voilà, donc là, maintenant, s'il pop son death, c'est pas grave. Dans tous les cas, il pourra pas se barrer. Il fallait d'abord fermer la... Voilà, donc là, du coup, c'est pas grave. Je m'en doutais qu'il en avait un, mais comme j'ai fermé la trappe, c'est pas grave. Parce que du coup, là, il peut pas se barrer. Donc, dans tous les cas, il meurt. Alors que si j'avais pas fermé la trappe, il la prenait, c'était fini. Mais T-Bug, tu crois vraiment toi? Eh, ce bug, faut vraiment le fixer. Hein. Rapidement, Bibour. C'est mieux que de changer les musiques des lobbies. Hein. Parce que les rollbacks là, depuis le patch, c'est chiant. Y'a pas eu dead pop, ouais, malheureusement. Mais... Et du coup, ils ont tous give up. Mais là, merci. Merci, Adam. J'allais pas laisser le Adam en vie, sachant que c'est lui qui a tué sa game. Là, Adam, il appelle Jen, ses trois potes étaient trap, trois traps actifs, tous blessés, bah, un des pires scénarios que tu peux avoir. Il a foutu la merde. Ne faites pas de Jen s'il y a un trap d'actif, enfin, s'il y a un trap sur vos alliés. S'il y en a, allez, à la limite, un, je peux comprendre que les gens se disent, bon, vas-y, on le fait. 2, faut pas. 3, faut être complètement con. 4, t'as la médaille de la connerie là. Parce qu'il y a des gens qui le font.